Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Insécurité. Nouvelle opération de la police nationale d'Haïti au Cap Haïtien. Plusieurs morts et plusieurs blessés. La pénurie du carburant à travers le pays persiste. Qu'est-ce qui se passe dans la sécurité au niveau du palais national? Bah, on pourrait se mettre ça ensemble. Merci. On a commencé avec une dernière question. Premier ministre haïtien. Qui sera le prochain premier ministre haïtien? On a les... Il y a plusieurs monde. Et je vais me donner Sandé Souka et Sandé Lucas sur ce point ça. Et Sandé ne va pas être trop, non? On nous été. Bonjour Sandé, comment nous est? Qui sera le prochain ministre haïtien? Nouveau désir. Bon, et la Constitution dit clairement bah, et qui est-ce qui a autorité. Constitution. Maintenant, gouvernement! Attends, Sandé, vous allez. Ah, Sandé n'est pas là? Oui, bien sûr. Ah, Sandé Lucas? Oui, on a les. Ok. Oui, sont les. Ouais. Bon, moi salue, salue l'Exido, Isaïe, tout et tout auditeur. Yo. Donc, comme on dit, je vais aller vite. Et bon, toute nouvelle qui a circulé concernant Dr. Aristide, ancien président PIA, c'est spéculation que vous voyez. Et ça dit à correct. Et si tu es bon, bagaille tout bon. Et son ancien président de la République, nous avons ambassade Cuba, nous avons ministère des Affaires étrangères, non seulement officiellement l'État a sorti une note sous ça, mais tout président PIA, ancien premier ministre PIA, il y a tout un secrétariat privé. Donc, il est tout à fait normal que ce rôle secrétariat privé, président, ancien président PIA, pour aucun B, et ça fait dans toute démocratie, ici aux États-Unis, les présidents Jimmy n'étaient pas en forme, et le secrétariat privé sur ton note qui dit mais dans quelle situation qu'il y est, mais ça a fait, mais comment la santé a évolué, etc. Mais on connaît nous-mêmes tout. Mais on connaît tout, là voilà, ça fonctionne dans l'autre jour. Bon, il faut réadapter au principe démocratique, ouais. Ouais, parce que oui, mais lui pas bon, ni pour la valace, ni pour l'idée. Donc, les gens qui sont dans la valation, comment s'organiser parti nous, mettre président. Et puis, sortir des notes hebdomadaires qui disent mais qui est président, mais qui ça l'a souffri, mais comment l'a évolué. C'est comme ça que ça fait dans tout le pays. Il faut sortir dans le système. Alors, je dis que l'Iwe Koutoune est conseiller la valace qu'on y a. Non, moi-même, j'ai toujours été pour la construction des partis politiques et la construction des institutions démocratiques. Donc, conseil nous sur ce bail-là. Son bail qui n'a fait depuis à peu près 28 ans, n'a essayé d'aider les leaders politiques haïtiens à fonctionner de façon moderne. Ouais. Et bien, avec IQ, un traditionnel, il n'y a pas marché, nous, un monde moderne. Bon, Jean Bagayo doit être fait. Mais, ou même personnellement, on n'a pas aucune information. Donc, sur ta santé, président. Non, si tu es un bagage l'autre bois, tu as déjà au courant. Okay. Ouais, donc, pas gagné. Ok. C'est mon cap parler, mon cap faire rumeur. On est dans le monde qui fait payer à fonctionner sous rumeur et innuendos. Mais on va qui est très important, monsieur Lavalasio, organiser le secrétariat privé de l'ancien président. Mais privé là, comme ancien président, quel que soit ça, l'a fait, il y a un secrétariat privé qui a pris l'information. Ouais. Donc, c'est faut nous faire bailler l'autre gens. C'est pour ça, c'est comme ça qu'il n'y a pas avancé. Pour avoir vaccin hein, et lutte contre le coronavirus, là, vient développer ça dans le monde, là, en partnership et public-privé. Par exemple, et normalement, pour développer un vaccin, il prend minimum 5 ans. C'est parce que ici, aux États-Unis, il y a un partnership public-privé qui fait conseil de compagnie privée, tant que Pfizer, Moderna ou bien Johnson & Johnson qui vient de développer vaccin en moins de 8 mois. Donc ça veut dire que distribution vaccin dans le pays panouan, il faut un partnership public-privé. Et vaccin Johnson & Johnson et Moderna, nous gagnons c'est des vaccins traditionnels, son vaccin traditionnel qui est vaccin coronavirus, Johnson & Johnson et Moderna, nous gagnons infrastructure sanitaire pour nous stocker dans le pays et pour nous distribuer. Tandis que Pfizer, il est plus complexe, il a besoin des bagages réfrigérés,
Donc, est-ce que l'État haïtien a développé un partnership avec Coca-Cola en Haïti et la couronne? Parce qu'il y a des côtés réfrigérés très spéciales. Vaccin Pfizer a mandé une réfrigération spéciale. Nous pouvons avoir une infrastructure nationale pour lui. Pour lui, est-ce que nous avons développé un partnership public-privé avec la couronne et Coca-Cola pour nous faire ça? Nous sommes certains que l'autorité de l'État et le Premier ministre, le ministre de la Santé publique, et la TRIAP négocié. Mais on va être certain. Pourquoi ça y a la couronne avec Coca-Cola? Pourquoi ça? Bon, si il y a l'autre, parce que le conseil de réfrigération aux besoins, faut que c'est des compagnies spécialisées là-dedans. Si il y a l'autre compagnie dans le pays qui est spécialisée dans le domaine ça, et bien n'importe qui réfrigération, non? Parce que Pfizer est très complexe et très compliqué. Tout pas réfrigéré dans les conditions que vous mandez là. Et vaccin en gâte et même côté à. Eh bien, dans ce qui vient dans ça, Stanley Lucas, vous connaissez Haïti, nous fonctionnons en gens nous-mêmes. Nous avons un pays d'un tout autre pays. Ok? Là, par exemple, vous avez privé la possibilité ça pour commander vaccin et puis pour le bail sur le marché. Vous connaissez très bien. Donc, il y a des couloirs capables de permettre que l'arrivée et dans l'autre niveau dans le peuple là. Et peut-être que l'État n'a pas tâché de l'arrivée. Et là-dedans, nous avons des nègres tout qui profitent de faiblesse ça, et puis pour faire contrefaçon, et puis pour mettre la vie de la population donc plus en danger. Bon, moi-même, je pense que ça dit qu'il y a des possibilités, donc c'est le rôle du ministère de la Santé publique pour garantir que ça va arriver. Mais on va être certain qu'il y a 3 vaccins dans le monde là qui ont des résultats. 87% des gens qui sont vaccinés dans le monde là, je dis, c'est dans le pays. C'est 3 vaccins que vous servez avec vous. Cap marché, c'est Pfizer, c'est Moderna, Johnson & Johnson. AstraZeneca, Ligue les touye moun, et il y a 60 pays sous la terre, côté vous avez fait procès contre vaccin ça. Vaccin, l'autre vaccin qui sorti en Russie, pas bon tout. Donc pour le moment, c'est 3 vaccins ça. Dans 3 vaccins ça, l'État haïtien est en grand accord avec le gouvernement américain, et pour le bail Moderna avec Johnson & Johnson. Nan. Mais un bon bail est très important. Il y a une catégorie qui s'arrête, les catégories qui sont plus vulnérables. C'est nous-mêmes, et nous croyons que l'État, c'est eux-mêmes qui va cibler d'abord. Qui est dans la catégorie vulnérable pour garantir que c'est eux qui ont un vaccin avant, parce que c'est eux qui ont mouru plus vite. C'est eux qui ont plus que 50 ans, eux qui souffrent de maladies, eux qui sont diabétiques, qui sont asthmatiques et la crier. Le ministère de la Santé publique qui a développé un protocole spécial. Parce que tout le monde est mort dans la semaine qui se passe là, depuis. Parce que le combat est Altaza qui est réel. Virus, l'aile qui est la Chine, il subit 54 modifications. Il y a sa mutation, il y a qui est le variant. Il y a 5 variants qui sont dangereux. Numéro 1, c'est variant Afrique du Sud. Là. Numéro 2, c'est variant Angleterre, Brésil, Inde. Nous avons 2 cantons en Haïti. Depuis et 8-9 mai. Et ces deux variantes, ça me suis dit, correct. Ces deux variantes, ça, c'est pas qu'elle entre directement dans pour mon nom. Variant ça, par rapport à ça qui est entré le 19 mars là, le coronavirus qui est entré le 19 mars là, par rapport à deux nouveaux variants qui sont en Haïti, il y a 70% plus contagieux. Avec des entrées plus vite sous. Les entrées plus vite, ça la vitesse de la lumière, il va n'en perdre du temps, côté pour l'entrée, pour l'entrée. Donc c'est ça qui est là. Donc c'est pour sa catégorie vulnérable, c'est eux non seulement qui doit respecter le mot d'ordre d'autorité sanitaire, mais c'est eux-mêmes qui vous prennent le vaccin avant. Bah, vous avez dit sous sécurité par l'air. Et bah, vous avez dit sous sécurité par l'air, c'est un petit problème vraiment dans Mexico, problème. C'est un problème qui dure 3 jours. Le problème qui dure 3 jours, hein, c'est à cause de 2 raisons. Madame qui compte faire manger à, et en général fait manger en dehors de l'air, qui est tombée malade. Ou pas Haïti, mon cher. Stanley, mon cher. Je ne sais pas si vous avez un problème.
Et c'est deux problèmes qui déposent. Madame qui fait manger à des malades, et des contigots à pour trois jours. Et deuxième problème, son chèque qui est dans la finance, et puis il y a un problème dans la finance qui fait que le chèque est en retard. Mais pendant que je parle avec vous là, toute sécurité, tout le monde qui n'a pas l'air à manger sans problème. Mais c'est un mal à négocier. Alors, Stanley, si vous voulez manger à l'école, allô, Stanley, correct. Stanley, est-ce que vous entendez? Bon, fin pour rien et puis ma pointe soit dit. Oui, et alors. Le troisième bagage là, c'est que c'est qu'il y a deux trois gros responsables dans le palais. C'est qu'il y a un coronavirus. Ils ont à cause de ça, par exemple, du directeur cabinet, président. Visage en ISP là, Abdim, c'est mon soir bail là. Moi, bien content que. Stanley. Il est en bonne santé. Stanley, Lucas. Plusieurs agents palais national à parler avec moi là. Yo dieu mon soir bail. Ouais, tellement du pas on va rien qui passer dans le palais. On va rien qui passer dans le palais. Et ça agent USP, agent USGPN, pas bien dans la police. OK. On connait pas qu'il paquet bagage passer. Aïe, m'a pas la règle là. On bonne nèg m'a pas la règle là. Yo dit c'est mon soir bail. OK. Même pas prêt. Non, c'est pas ça, comment moi dire. Et intervention de matin, c'est suite à et conversation que moi même personnellement. Moi j'ai gagné hier avec trois agents. Yon USP, GPS. C'est grand coup à jouer. Yeah. Il faut gérer la sécurité du président. Il faut gérer la sécurité du président. Ok, allez, deuxième raison, t'es qu'on fait cal en finance qui prend plus tant que d'ob, c'est ça qu'on est là. Et puis troisième bagaille là, qui fait que pas gain un peu de monde dans le palais, t'es gain des cas de coronavirus. À cause de ça, yo vin kembe sa le personnel essentiel, surtout que le président lui-même, il va vraiment descendre. Donc, yo nous pas besoin de compliquer, ouais. Et pour faire, nous te développer dans le début de l'émission, nous voulons l'État ceci, nous voulons l'État cela, nous voulons l'État. Moi, je suis d'accord avec le discours. Mais bon, pour nous reconnaître, et ça m'a dit, ni Louko ni Lexi doivent comprendre. Pendant que nous avons dit nous voulons l'État fort, un groupe de monde dans le pays depuis 34 ans, il a goumé pour affaiblir l'État. Premier côté, il a affaibli l'État, il a affaibli l'État économiquement. OK? Oligarque d'abord. Tout bien l'État qui rapporte l'argent, il a pris la main l'État. Minotri d'Haïti, Ciment d'Haïti, Téléco, tout ça l'État a gagné, et Centrale des Salines, Centrale Varoué, tout ça, force l'État au niveau économique, il a volé la main l'État. Donc, mon premier côté a affaibli l'État. Deuxième côté qui a affaibli l'État, il a affaibli l'État politiquement. Qui côté a affaibli l'État politiquement? Avec une idéologie anarchie et populiste. Il a crasé l'armée comme institution. Il a empêché le Parlement de fonctionner. Bloqué le Sénat de la République pendant 4-5 ans. Et ils créé Fantôme 509 pour craser la police pendant que vous voulez la police craser gang. Donc, on l'école politique dans le pays, capable de faiblir l'État. Et puis, pendant qu'on a faibli l'État, il y a un bon discours dans la radio pour que l'État fait. Bon bagaille. La police pour attaquer le village de Dieu. C'est pas bien expérience avec Dimitri Vop qui était campé en face pour la police pour attaquer le village de Dieu. Mais le politique n'a pas faibli l'État. Et la raison qui fait qu'il n'a pas faibli l'État, c'est pour qu'il y ait un système que nous voulons. Système ça, que nous sommes d'accord qui doit changer. Quand nous sommes capables d'alimenter là, depuis le pays, ou même nous avons fait émission, côté Guédel, précisément, qui a dit que nous tirons sur la police pendant le pays. Et puis nous avons saisi, je vous dis, que nous avons fait ça, fait avec attaquer le commissariat. Sans pas citer non, il y a deux journalistes qui montent sur la radio qui disent qu'il y a des gens qui ont pris le commissariat dans la zone métropolitaine. Donc, moi-même, côté pour nous d'accord et pour nous mettre nous en temps, pour nous d'accord, nous ne pouvons pas avoir une différence entre nous là. Nous tous voulons l'État fort. On l'État fort qui a cassé les gangs. On l'État fort économiquement qui a répondu à besoin du peuple là. On l'État fort socialement. Ça pour le faire dans le vaccin et dans le domaine de la santé, pour le café. Mais en même temps, tout, mes amis, il faut mettre nous d'accord. Il y a deux écoles politiques dans le pays. On l'école politique qui veut, on l'État fort. Moi-même, je fais partie de l'école ça. Nous fait partie de l'école ça. Dixido fait partie de l'école ça et la trier. Mais en même temps, tout, on l'école anarcho-populiste qui parle l'État fort. Il parle les services d'intelligence.
yo pa vle la armée, yo pa vle la police, yo empêche Sénat fonctionner, yo mette juge coup de cassation dans coup d'État. Alors ce n'est pas aucun côté dans la constitution qui don juge Gavin président. Donc l'école ça a crasé l'État noir, c'est l'école ça qui Saint-Domingue qui a fait promotion pour Dominicain et qui a parlé Saint-Domingue. Donc mes amis, on mette tête nous d'accord. Oui, nous voulons l'État fort, mais en même temps, en dedans pays, sans pas besoin de citer non, tout le monde qui a plein d'émissions connaît qui est-ce qui travaille pour craser l'État. Donc moi-même, les nappes de débat, moi-même participer là-dedans. Parce que nous tous voulons pays qui a fonctionné. Nous voulons tout le monde qui est vulnérable, qui a coronavirus, qui a un vaccin pour protéger la tête. Nous voulons, même pas un client de la gang. Tout le monde est position par rapport à la gang. Quel que soit la gang, non. Quel que soit la côte, la gang n'est pas compatible avec la démocratie. Il faut que nous cassions rien. Donc, mes amis, on travaille ensemble pour nous construire l'État. Parce que nous sommes passés 34 ans. Nous sommes passés à craser l'État pendant 34 ans. Je ne suis pas étonné que l'État a fait conseil de bagages qui n'a pas fait. L'État ça a quitté conseil de capacité économique, il n'a pas de capacité économique ça encore. L'État ça a, ou imaginons, en 1995, on est capable de permettre de faire gang dans le pays. La méta cassé non. Qui n'a pas de capacité ça dans l'État aujourd'hui. Donc même ça qui vient craser l'armée, qui vient craser la police, c'est ça qui a tout besoin de l'État fort. C'est eux-mêmes qui va gagner aujourd'hui. Donc moi-même. Nous sommes toujours honnêtes à tout le monde, même si nous ne sommes pas d'accord avec vous. Nous respectons l'opinion politique. Nous. Mais dans le cas où nous vivons, il y a des choix pour nous faire. Est-ce que c'est de nous faire partie de l'école qui croit dans la démocratie ou bien est-ce que nous faisons partie de l'école qui a la corruption par la démocratie? C'est ça que nous avons dit, Louko. Mais Louko, merci beaucoup. Bonjour Benou et puis Esaïe, mets la main dans les femmes. Bon bagaille, bon bagaille. Ok, bon, qui sera le prochain premier ministre haïtien? Dans le cas où nous sommes là, un détail dans l'émission de débat, il faut nous sortir dans la question du gouvernement intérimaire. Là, parce que je dis là, Claude Joseph, son premier ministre, qui est là par intérim. De toute façon, le président Jovenel Moïse obligé au gouvernement. Pour le capable d'avancer avec ça comme projet qui jusqu'à présent entre guillemets qui n'a agenda qui c'est référendum, constitution également élection. Hier et selon l'analyse que nous faisons, nous voyons que hier pas de question référendum qui parlait. Donc pour le capable d'avancer, faut qu'il y ait au gouvernement, faut qu'il y ait au premier ministre. Mais c'est qui premier ministre? Et je crois que nous avons parlé un peu du premier ministre là, du profil premier ministre là, donc vendredi matin, donc à l'émission Matin Débat. Qui sera le prochain premier ministre haïtien? Qui nous gagne? Docteur Rodriguez Mario Eddy Gabriel. Docteur Rodriguez Mario Eddy Gabriel. Qui est-ce? Caille blanc. Non, sous table. Solis là. Madame, c'est qui nous gagne quoi? Magny Smith. Smith. Docteur Lidoui. Docteur. Docteur Smith. Docteur Smith. Magny. Qui nous regarde toujours? Monsieur ancien sénateur Dera Simon Diocel. Sénateur Dera Simon Diocel. Donc Mounsayo vient en bataille. Faut que nous dit que. Ou gagne de nous manquer. Faut mettre mon frère. Ok. Ancien sénateur Rudolph Choisil. Oui. On a parlé ça dans la police là. On parle du monde. Ancien ministre Ariel Henry. Il a le bagage des charges. On va y aller là. On va y aller déjà ici. Aïe aïe aïe. Louko Désir. On a besoin de charges ici. Louko Désir. On paye ça. On l'a donc côté. Qui quoi qu'il en est? Fritz William Michel. Fritz William. N'est-ce qu'à Boudlaï? Oui. Sortim là. Ate ala oui. Il joue dans bataille là. Négatif. Hey. Nous gars sénateur you là toi tu peux faut pas là nous la rapide. Louko Désir où ça tu as? Pourquoi les gars nèg là en opposition Louko Désir? Qui ça? En opposition tu toi on connaît hein. Tu as glissé non? Mais pays a pas craser. Le nom du docteur. D'ailleurs. Rodriguez, Mario, Eddy Gabriel, ouais tu aimes prendre ça bon non?
Sans nous avoir ici, on s'en tire. Le nom du docteur Rodriguez, Mario Eddy Gabriel, c'est en nom opposition le sorti. Mais vous avez abonné. Vous m'entendez? Oh, moi, je ne suis pas pagué. Je ne pense que. Non, mais je ne sais pas. Comment vous pas gagné? Je pense que l'opposition Dieu pas là-dedans. Mais ça? Monsieur! Je sais, oui, Louko. Esaïe. D'abord, même vous avez abonné à ce moment là. À quoi vous avez encore? Je sais, Louko. Parce que entre vous-même, vous n'avez pas qu'à entendre. C'est 11 candidats au position de gain. 11 candidats. Donc, qui est-ce là parmi les gens qui va venir premier ministre? Mais je trouve que. Non, qui a plus projecteur sur eux, qui a plus lumière sur eux. C'est le docteur Mani. Smith Bani. Et puis. Le sénateur. Ou de Joisil, quand d'un, là tout. Et puis Ariel Henry. Next en plus dans bataille. Comme si. Et petit Joisil. Joisil ou de Joisil? Ou de Joisil. Joisil va jamais accepter. Pas m'accepter. Et ça? Joisil va jamais accepter. Il va pas accepter sans condition. Alors, et condition, monsieur, pape. Ah, mais voilà. Pas, Joisil, là, dans la là, monsieur. Donc, monsieur. Il va pas accepter sans condition. Ça, Joisil, mandé, Joisil, pape. Ah, mais ok. Pape, dans la bataille. Ok. Alors, mais on a opposition, vous et moun. Mais déjà, pas un problème pour le ministre, chef là. Ah bon? À qui, Jean? Oui. Moi, je pense que. Pour samedi dans la rue hein. Nous sommes sénateurs là dans tu gars avec nous là, nous va faire parler avec nous. Bien, bien. Personnage. Allô, c'est Jean. Personnage. Vas-y donne. C'est mon personnage qu'on t'a dénoncé. Parce que debout dans politique, debout dans nos monos fois. Là, comment est-ce que les Rodriguez bagay? Jean et chef là. Non, avant c'est comment Jean qui bagay? Rodriguez et ouais, enfin moi ça me. Docteur Rodriguez, Mario Eddy Gabriel. Nous avons avec nous Bob Metandre Michel, qui est un avocat plaignant pour ce Petro-Caribe, qui lui-même a une réaction tout par rapport à la dernière ordonnance juge Ramon Sitaximea. Nous dit qui dans une ordonnance liée blanchi plusieurs entreprises avec personnes physiques qui étaient plein de déposer compte dans le cadre de dossier ça. Dans fait ordonnance ça, parmi eux, juge l'a rappelé, pas qu'il n'y a aucun arrêt débat pour le monde qui inculpe eux. Et dans ce sens, le magistrat instructeur l'a ordonné institutions financières pour débloquer contre Michael Lecor, Eustache Saint-Lô, Jacques Rousseau, Laurent Salvador Lamotte, Marie-Carmel Jean-Marie, Jacques Gabriel, Stéphanie Balmire-Vildouin, Jean-Max Bellerive, Wilson Lalo, Joseph Gauthier, Florence Duperval-Guillaume, Yves-Germain-Joseph, Max-Rodolphe Saint-Albin, RVD, Michel Coutan, Lionel Grandpierre, Herbert Docteur, Thomas Jacques et Linda Jacques. Le problème, mon sayo, juge l'a demandé pour dégeler Contio. Il a été fait partie administration Michel Martelian. Et il est important pour nous rappeler avocat plaignant Petro Caribeo, lui-même qui déjà qualifié de mascarade ordonnance juge Ramosite Aximéan en direct avec nous. Mec, Trandé Michel, bonjour. Bonjour, Guerrier, bonjour, Bob, bonjour, PRR, bonjour, Galvez, bonjour, tout auditeur. Radio Caraïbe FM, Captain D, en Haïti, tant qu'à l'étranger. Bon, effectivement, son dossier d'importance, c'est le dossier judiciaire le plus important pratiquement de toute l'histoire de ce pays. Bon, avant de venir souligner rapidement, permettre que nous envoyer sympathie secteur démocratique et populaire by ancien président Jean-Bertrand Aristide avec toute famille. Parce que nous apprenons avec infiniment de peine que j'ai perdu maman ni à l'âge de 100 ans. Et moi espéré que l'ancien président Aristide, qui hospitalisé Cuba, a rétabli le plus vite possible. Et secteur démocratique-là a gagné conviction que Jean-Bertrand Aristide, avec toute famine, il a besoin suffisamment de courage, suffisamment de force, pour remonter l'épreuve Sayo qui est extrêmement difficile parce que nous tous qui là, nous habitués à perdre un proche, un maman, un papa, un petit, un soeur,
un cousin, une cousine, un neveu, un bon ami. Nous comptons, ça veut dire, le monde éprouvé par un deuil et dans une circonstance donnée. Nous espérons que, eh bien, bon Dieu a baillé aux forces. Parce que dans la Bible, il y a des passages qui traitaient de monde qui est affligé, de monde qui est en difficulté, de monde qui est affecté. Et là, il y a des proches qui mourent et qui besoin de courage. Bon Dieu, toujours baillé. Nous avons un mot spécial pour les gens qui vivent dans le quartier populaire. On va passer ça sous silence. Les gens qui vivent Matissan, Fontamara, Badelma, Delma 4, Delma 6, Delma 8, Cité Soleil, du Vivier, zone La Saline, zone Pont Rouge, zone Sayo, et que les avec ZAM prennent otage, a fait la pluie de beau temps, l'État absent, l'État disparaît. Nous tous nous connaissons. Et pouvoir en place là, t'es fédéré Genève, mais t'es gang dans le quartier populaire. Mais ça qui est terrible, c'est que Kounia, eh bien, gang qui a tué le monde, qui a violé le monde, pour le faire nous prendre pour révolutionnaires. Nous relaissons ça aux révolutionnaires pour la cathédrale. Révolutionnaires sont qui ont un projet, sont qui ont une vision, sont qui en face un système. On est qui a volé spaghetti monde dans le magasin monde, ou pas qu'à révolutionnaire. On est qu'à violer tout le monde 10 ans, 12 ans dans le quartier populaire, ou pas qu'à révolutionnaire. On est qu'à dire, on va pas assassiner Bob C, on va pas assassiner Jean Monnard, ou pas qu'à révolutionnaire. Parce que le monde, ça n'a pas qu'à être néon si vous êtes révolutionnaire. On est qu'à voler des suites dans le magasin, ou pas qu'à révolutionnaire. On est qu'à sortir dans le magasin avec sac dur sous le dos, ou prendre photo, ou pas qu'à révolutionnaire, ou c'est volé. Ok, vous êtes voleur, vous êtes assassin, vous êtes criminel. Vous avez kidnappé les gens pour qu'on sache rien. Tuer les gens, vous n'avez pas qu'à révolutionnaire, vous n'avez pas de chambre révolutionnaire qui a prêté assassin, a prêté criminel. Et n'a dit Jovenel, peuple haïtien intelligent, peuple n'a pas de vagabond, peuple n'a pas de assassin, peuple n'a pas de voyou, délinquant pour révolutionnaire. Vous n'avez pas volé saumon ou pas qu'à révolutionnaire. Qui a volé sac sup moun ou pas de chambre révolutionnaire. Allons parler du dossier Petro-Caribé. Petro-Caribé, c'est plus de 4,2 milliards de dollars l'argent américain qui disparaît dans un coup d'éclair. Nous, c'est des provinces, nous savons que les coups d'éclair, fait pao, et vous pawel. Et Petro-Caribé commence sous Préval, il passe sous Martelly, il passe sous Privel, il vivait sous Jovenel Moïse. Petro-Caribé, c'est 4 présidents qui impliquaient là-dedans, 4 chefs d'État, et n'importe 6 à 7, 8 premiers ministres qui impliquaient, une cinquantaine de ministres, une centaine de directeurs généraux. Son dossier immense. Après deux rapports enquête qui fait dans le Sénat République là, eh bien, il y a des citoyens qui étaient décidés porter plainte dans le cadre du dossier Petro-Caribé le 30 janvier 2018 avec la première plainte qui a été déposée au cabinet d'instruction. Maintenant, après la Cour des comptes fin fait enquête, la Cour des comptes constate que effectivement le Sénat de la République, disons les commissions d'enquête sénatoriales qui ont eu raison. La Cour des comptes fait rapport, côté lien épinglé, même Mounio, et y compris Jovenel Moïse, qui est un cofénaire en compagnie privée, la Cour des comptes épinglé. Après le rapport de la Cour des comptes, l'État haïtien, vous n'avez pas, et pas seulement citoyen pour te plaindre, non. Après le rapport de la Cour des comptes, Jean-Henri Seyan était premier ministre, et l'État haïtien a porté plainte. C'est-à-dire, dans ce dossier, non seulement il y a des citoyens qui portent plainte, nos avocats qui commencent le dossier, mais l'État haïtien lui-même tout, qui portent plainte. L'État haïtien portent plainte, mais nous-mêmes, nous battons mon petit. Nous avons toujours dit que le procès a commencé en 2018 sous le gouvernement Jovenel Moïse, là, mais le procès n'a pas fini sous le gouvernement Jovenel Moïse. Là. Nous battons mon, nous avons une procédure printemps. Nous connaissons même son juge d'instruction font des ordres, n'a pas capable de corriger le pied devant. Et, si une bagaille qui est étonnant dans le dossier Petro-Caribé, c'est que Ramon Sitaksime, qui est venu dans le dossier depuis 3 ans, il a tellement manifesté intérêt pour le dossier, ça, son bagaille qui est inquiétant. Il a demandé le déporter, il n'a pas déporté. Il a fait un dessaisissement contre lui, il a fait un dossier. Il a fait plainte pour lui dans le CSPJ.
li kembe dossier jusqu'à ce que tout récemment li rendion ordonnance et tande ordonnance là il dit un dossier a pas capable poursuivre instruction prématurée parce que pas gain arrêt de départ et li mande parlement li mande cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour faire ce que de droit c'est-à-dire pour bail arrêt de départ moun qui ministre ancien premier ministre etc. Et dans même ordonnance là il dit que conseil d'entreprise en cours Cofener et on ban l'autre Cofener pas journal là liberté hors des liens de l'inculpation et li mande pour coup de compte débloquer compte mais on pas faire ça. Mais si on dit dossier avant en état, on va garder ou mettre hors des liens de l'inculpation. Parce que quand vous dites que le dossier, ça c'est une question logique, vous avez un avocat pour comprendre ça. Non? C'est-à-dire même sur le plan académique, sur le plan logique, intellectuel, ça n'a pas qu'à augurer, ça n'a pas qu'à quimper. On va garder une pour reconnaître que le dossier n'est pas en état parce qu'il faut bien arrêter de débat. Et puis dans le même dossier, dans la même décision, ou juger sur le fond parce qu'on met des mondes hors des liens de l'inculpation. Mm-hmm. Maintenant, nous allons aller. Parce que nous n'avons pas grand pile de temps. Et la Cour des comptes, ce n'est pas lui-même qui juge en matière de corruption. La Cour des comptes est capable de constater une série d'infractions de corruption, tant que détournement de fonds publics. Mais une série d'infractions de corruption, la Cour des comptes n'est pas carré. C'est très important. Par exemple, on prend un délit initié. Parce que la Cour des comptes, c'est le juge des comptes, des comptables et des ordonnateurs de l'État. C'est-à-dire, si la juge est contre, il est capable de voir est-ce qu'on contrat est bien passé, est-ce que la loi régissant la passation des marchés publics a été respectée, il est capable de voir comment on dépenser. Ça, c'est détournement de fonds, car l'enrichissement illicite tout dans une certaine mesure. Mais pour ce qui est d'infraction de corruption, sous prend le délit d'initié. Quel délit d'initié a? Imaginons, l'État haïtien pral lance un appel d'offres. Et puis, on met mon cabinet. Président, ou mon cabinet pour le ministre, ou le long à goûter, ou ça passe. Pour avoir un appel d'offres là, préparez-vous. Vous voulez ça, délit initié. C'est une infraction de corruption. Ou ça, la Cour des comptes, j'aime ça, parce que la Cour des comptes, je vois l'analyse, c'est ça. Nous sommes capables de l'autre, dans leur pot de vin, par exemple, ou bien on est un contrat, et puis le bon $200,000 américains en bas, la Cour des comptes, pas pour ça. C'est-à-dire que l'on est dit ça. Il est clair que c'est une ordonnance qui ne tient pas sur le plan juridique, mais. La nouvelle, c'est que désormais, le dossier Petro-Caribe est pendant par devant la Cour d'appel de Port-au-Prince. Nous avons déjà fait appel contre l'ordonnance du juge d'instruction Ramon Sitaksimé. L'appel est suspensif. Le délai d'appel est suspensif. Ça veut dire qui ça? Et m'a parlé avec Banquio. Si on a débloqué contre compagnie, alors si il y a un appel qui fait, on a un problème, oui. Parce que l'appel est suspensif. Le délai d'appel est suspensif. Ça veut dire que compte Mounio a été bloqué parce que nous avons fait appel et Moun qui était inculpé, il a été dans les liens de l'inculpation jusqu'à la décision de la Cour d'appel. Et je m'adresse aux banques. Si nous allons débloquer contre Moun, alors ce que y a appel qui fait, ah, c'est problème pas nous. Premièrement, sur le plan juridique, nous prenons des risques et nous allons en face population en Cap-Benin. Et de ce qu'on arrive. Il y a seulement assumé. Il y a assumé tout simplement. Ah non, c'est important, oui. Ah oui. Le délai d'appel est suspensif. L'appel est suspensif. Oui. Ça veut dire, si on voit une ordonnance baou, il dit compte mon débloqué, avant de débloquer compte là, c'est pour dire, ah, voyons un certificat greffe là-bas, pour moi, si pas un appel qui fait. Tout à fait. Si là, on parle de l'institution financière. Oui, on parle avec banque. Ah, si on le débloqué compte. Alors que il y a un appel qui fait, le problème bon, oui. Oui, on va en face de la loi, l'appel est la justice. Mounio, compte qui était bloqué, il a été bloqué jusqu'à la décision de la Cour d'appel de Port. Hein? Mm-hmm. Et Moun qui était inculpé cabinet d'instruction, c'est-à-dire Laurent Lamotte, toute l'autre, toute entreprise, eh bien, il a été dans les liens de l'inculpation jusqu'à la décision de la Cour d'appel de Port-au-Prince, parce que l'ordonnance du Jacques Simé est frappée d'appel. Nous te signifie nous fait appel, l'appel est suspensif. Et c'est ça qui est bel dans le droit. Jeudi à nous, 28 juin 2021. Dossier ça, son dossier pour aller passer dans le coup d'appel, peut-être dans 10 mois, dans 18 mois. Et là, ça, les obstacles politiques seront levés.
Et la cour d'appel, il pourra le faire œuvre nouvelle. Parce que l'appel est un rejugé. C'est l'effet dévolutif de l'appel. C'est toute la cause, dans toute sa forme, dans toute sa teneur, qui sera rejugée par devant la cour d'appel de Port-au-Prince. Et là, ça, pas de piston politique, pas de président qui vous protège du lapidateur. La justice sera faite. Et bon, bah, vous allez regarder, oui. Donc, vous allez s'éclairer. Regardez, est-ce que l'État haïtien fait appel de ordonnance là? Parce que l'État haïtien, c'est parti civil, même là avec nous. L'État haïtien, parti civil, non dossier. Si qu'on y a une ordonnance comme ça qui sortit, c'est une ordonnance qui sortit contre les intérêts de l'État haïtien. Mm-hmm. Est-ce que l'État haïtien fait appel tout même là avec nous? Puis est-ce que l'État haïtien, parce que c'est même mon pouvoir qui implique la petite dossier à passer. C'est très important pour vous comme journaliste. Faut qu'on en greffe là dans la semaine qui a fini. Parce que ils ont encore un délai pour le faire. Faut qu'on en greffe là dans la semaine qui a fini pour garder est-ce que la DGI qui représente l'État en justice a exercé appel contre cet ordre. Oui, M. Michel, pendant tu as parlé des gouvernements qui ou parlé des présidents Préval, ou parlé des côtés pétro-caribéens, qui est-ce qui commence avec lui. Donc, m'kwa entièrement pétro-caribéen, t'as pas chanté sous Jocelyne Privert, et ou dis-nous Jovenel Moïse, m'kwa Jovenel Moïse te vin jouen pétro-caribéen. Jovenel Moïse, non seulement à titre personnel, il y a des compagnies, tant qu'à Ritrans, tant qu'à Cofener, qui impliquaient dans la dilapidation de cours du fonds pétro-caribéen et la cour des comptes relatée. Et deuxièmement, sous gouvernement Jovenel Moïse, il y a 3-4 bateaux pétro-caribéens qui ont constaté qu'ils étaient rentrés. Et la cour des comptes dit dans le dernier rapport sortir. C'est-à-dire, juste pendant, il y a un petit point pétro-caribéen dans le gouvernement. Un petit bateau pétro-caribéen. Et un pic les mètres, sauf les dits. L'on dit 3-4 bateaux pétro-caribé. Oui, oui, tu as gagné quelques bateaux gaz qui rentraient toujours qui ont rapport à pétro-caribé. Okay. Dans le dernier rapport pour des comptes là. D'accord. Tu as gagné pétrole qui rapport à pétro-caribé qui rentrait toujours. J'ai dit que le dernier point de pétro-caribé qui dépensé sous gouvernement et Jovenel Moïse. De toute façon, ça me toujours dit, dossier pétro-caribé, m'a dit pour me finir, c'est dossier peuple haïtien. Parce que l'agent pétro-caribé, il était capable de construire l'école, il était capable de construire route, construire aéroport, il était capable de construire université, il était capable de construire et il était capable de permettre que nous développions la pêche dans le pays, à développer l'agriculture. Eh bien, monde qui volait comme pétro-caribé, c'est tout peuple là qui fait mal. Et monde ça, yo, pas dans l'autre bagaille pour faire avec eux. Seul Jean pour tracer un exemple, c'est pour arriver à arrêter monde ça, yo. Il faut arriver à saisir bien. Si on va arrêter, on va pas saisir bien, parce que bien, il y a qui met bien, aux États-Unis, bien qu'en Italie, bien qu'en France, on va arrêter, Pour qu'on haïtien, tout en bas, code, ça, comme qui en bas, cabane, il va pas. Et puis l'autre bagaille, c'est mobilisation qu'il faut continuer pour procéder à fait. Et c'est ça que fait, un groupe de challengers, il est non conscient. Nous conscients, son groupe de challengers, il dit, il y a un sitting demain, matin, demain mardi 29 juin 2021, il y a un gros sitting devant le ministère de la Justice pour dire qu'il n'y a pas d'accord avec l'ordonnance de Monsieur Taximia. Et moi-même personnellement, non seulement en tant qu'avocat, m'a fait ça pour me faire, m'a fait appel, m'a fait bataille de procédure, mais en tant que citoyen, m'a présent demain matin devant le ministère de la Justice, parce que on est type de dossier ça y est. Depuis que le peuple n'a pas mobilisé par aucun procès capté. Merci en pile. Merci, merci Vette Michel. Bonne journée. Merci, tenez bien. Madame. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché. Écoutez, attendez des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous. Son babé à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.